créativité et à l'inventivité. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. On fait rêver les gens. Salut les socios, comment ils vont? Nouveau programme, on va défier Mathieu Bodmer. On va essayer de voir si on a la qualité pour concurrencer un ancien joueur pro. Voilà, vous avez reconnu, hein. On est dans le théâtre des rêves, Old Trafford. Eh ben non, parce que comme on est des joueurs horribles, on est à Colombe et qu'on n'a pas d'oseille. On va aller les chercher, ils sont en train de s'échauffer là, ils sont en train d'échauffer le gardien. Et puis on y va tout de suite, on y va. Deux participants sont là, Mathieu Bodmer, qu'on ne présente plus bien entendu. Comment il va Mathieu? Ça va, t'es prêt? Mon coéquipier. Ouais, mon coéquipier, bon moi il sera pas le paddle aujourd'hui. Ça sera pas le paddle, c'est avec les pieds. Bon Mathieu Bodmer, on va pas le présenter. Hein. Si on ne connaît pas Mathieu Bodmer, c'est que vous n'avez pas vu les 20 dernières années de Ligue 1. Il est là, il est prêt, les pieds ils sont là. Et puis de l'autre côté on a Titouan Busman, comment il va Titouan? Ça va quoi? Ça va super. Tranquille, hein. Je lui ai mis une crampe. Hein. c'est lui qui va représenter le club de 5 parce qu'apparemment c'est le meilleur. Vous avez bien vu la Ligue 1 sur les 20 dernières années, il n'y était pas, mais on va essayer de concurrencer ce qui se fait de mieux. Mathieu Bodmer, le beau jeu, etc. On va voir. Travailler son sens de la finition et la variété dans la finition. Voilà, c'est ça les trois défis et à la fin il y aura un gage. Si Mathieu Bodmer gagne, on devra dire sur chaque émission pendant une semaine que c'est le meilleur consultant en France. Si Mathieu Bodmer perd, il fera un débrief avec nous. Pour vous les socios. Oh, oh, il est bon. Juste à côté mais ça va se rapprocher. Applique-moi sur le pied, applique-toi sur le pied Titouan. Non, il n'y a pas bougé le but, Mathieu. On enchaîne, c'est le troisième tir. Il n'y a toujours pas de but, messieurs, on se réveille. Bien joué. Ça marche. Je crois que c'est maintenant. Pied gauche, il attend. Il attend pied gauche. Attends, fais une coupure. Pourquoi j'ai fait pied gauche? Dis-le maintenant. Ouais, c'est vrai que je l'avais dit. Jamais de la vie, tu fais pied gauche, une touche. Bah voilà, c'est ça, c'est ultra fort. C'est. Attends, je suis gaucher. Et voilà, c'est Villeneuve-d'As, c'est Gerland, c'est comme ça, c'est tout ça. Tu vas me répondre à un moment donné? Ah dommage, il touche le montant. C'est souvent ça, on nous donne rien au club des 5. Et Saint-Etienne? Ouais, lui, c'est Bakary Sakho. Non, ça Mathieu, ça non. Là t'es en 32, là, là, t'es en 32 pour moi. J'ai vu la facilité là. Bien joué. Non, dommage. Toujours 1-0 pour Mathieu. Ah putain, sans mon problème. Allez, c'est fini, 1-0. C'est fini, 1-0 pour Mathieu. 1-0 pour Mathieu pour ce premier défi. Encore une fois, ils ont été horribles les deux. Bon Mathieu, à pied gauche, on peut le saluer. Mais je suis un peu déçu, je vais aller voir Titouan là, je vais aller un peu le sermonner. Parce que sur le deuxième défi, je crois que c'est moi qui vais le faire finalement. Sam, juste vite fait, on va se présenter le petit prodige là. Hamza Biskri. Hamza, comment il va? Ça va? Ok, ouais, je t'ai ramené deux champions. Ouais. Eh, tu vas aller me chercher au sol. Hein. Bah, oui. Ça joue beaucoup au sol, ça. Ouais, ok, ouais. Je compte sur toi. Ouais, pas de soucis. Ok, le petit slalom, passé va, on frappe en maximum de touches. Derrière Paceva central et derrière Paceva de l'autre côté du mauvais pied. Ah voilà. Non, c'est mieux. Tu vas aller me chercher au sol hein. Bah oui. Allez, on met du rythme. Elle est belle la passe. Finis-moi ça. Mais c'est magnifique ce que je fais. Merci messieurs, merci. Deux styles de frappe, je les prends. Je prends les deux styles de frappe. Hamza, on se réveille hein. Hamza, on se réveille, je veux bien que ce soit des goalers à dents, mais on se réveille. La passe, elle est magnifique, la passe, elle est Ligue 1. Elle est Ligue 1, la passe. Oui. Merci, Hamza. C'est pour le CD5 que je te paye. La passe, elle est bonne. Bah, c'est magnifique, on nous l'a dit. On reviendra. On est dans le même boîte. Exactement. Ah, ça, je vous disais aussi. C'est la troisième et la dernière. Excuse-moi, c'est pas grave. Oh merci Hamza. Mais t'es un champion Hamza. T'es un champion. Mais regarde-le. Elle est bonne la passe, emmène-la moi. Elle est horrible la passe en fait finalement. Mais oui, on fait un 3-3. Tu vas aller me chercher au sol hein. Bah oui. Mais ils vont dire qu'on triche. Tu sais ce que j'ai l'impression là? C'est de faire le quiz avec Jérôme Rotten. Fini. Et voilà, c'est égalise. Et voilà, il a fait des vraies frappes, il peut rien faire. C'est ça, il sera champion. Regarde la frappe qu'il va faire, il va lui donner encore. C'est parti, on enchaîne. Fini. Et voilà, tu pars le mur. On enchaîne. Allez, Mathieu, on met du rythme. Et voilà. Tu vas aller me chercher au sol, hein. Bah oui. Et vas-y toi, mon copain. Ouais. Et non, ça c'est suffisant. C'est de la suffisance. Je peux pas le gardien.
Mais c'est encore la suffisance. C'est encore la suffisance. Et vous pensez qu'il ne le sait pas, ça? Merci. On a le dernier passage sur le côté, c'est faux pied, on va voir vraiment les menteurs dans le football. Les extérieurs du pied sont autorisés. Voilà, là tu me plais. Parce que tu sais me parler. Parce qu'on est argentin, non? Parce que tu sais me parler. Ah. J'entends de rien du tout, tu viens d'Evreux. Vas-y, viens. Je viens de la Bombonera, ça. La bonbonne de gaz, ouais. Ça c'est du rêve. Il a attendu une heure les caméras, mais ils ont fait ça. Ils nous montrent ça. Dis, c'est pour Smaïl Boabdella, dis-lui. C'est pour Smaïl Boabdella, il l'a dit. Réponds. Parce qu'on est à Colombes. Réponds, la Véramise elle est bonne. Réponds. Ah, c'est pas le même football. On enchaîne. Il y a 5-4, hein. Je répète le soir, la conduite de balle elle est horrible la conduite de balle. Eh oui, tu conduis mal ton ballon, tu frappes mal. C'est pas faux. C'est ce que me disait Jeannot Fernandez quand j'étais à Cannes. Jamais été à Cannes. Ça joue maintenant, messieurs. C'est dans la tête. La remise, elle est bonne. Fini. Oh non. Non. La remise est bonne. La remise, elle est très bonne. Elle est dans la cour. Allez, tue-toi. Allez, tu vas m'égaliser, purée. On le veut. Ah, le pied gauche, il est mort. Le pied gauche, il est. Dis-toi. Le pied gauche, il est mort. Prime à la créativité et à l'inventivité. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. On fait rêver les gens. On donne du plaisir aux gens. On partage, on donne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Oui. Bien joué, bien sorti, Hamza. Mais oui, t'es pas dans ton salon ici. C'est parti, dis-toi. 1, 2, 3, 4. C'est magnifique, ça. Là, Léo. Donc, t'as le droit de te lober sans faire sauter. Non, mais après, ça, Léo. Après, c'est pas Grégory Vimbé qu'on a ramené. Hein. Léo, côté vert cuisselle. C'est pas Hugo Lloris. 1, 2, 3. Eh oui, encore, c'est bien sorti. La touche, elle est trop longue. Moi, il doit jeter dans les pieds, il jette pas. 5 fois. Il commence à avoir l'impression. 5 fois, allez. Vas-y, go. 1, 2, 3, 4. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a 5. Et c'est trop tard, le chronomètre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, putain. Tu vas aller me chercher au sol, hein. Bah oui. C'est repasse devant. C'est safe, hein. Là, y a pas de créativité, là. Là, tu vois le compétiteur, hein. Tout de suite, hein. C'est 3 touches de balle, c'est le plat du pied. Je la connais, je faisais la même chose au challenge Carlos à Pierrefitte. 1, 2, 3. Et oui, encore, là, y a plus de créativité. Là, ça veut la gagne. Hamza, va me le chercher, c'est maintenant que ça se joue. 1, 2. Oui, Hamza. Oui. Attends, on peut remettre pause ou pas? Pourquoi? Mais je peux la jouer encore. Ah oui, mais d'accord, mais là-bas, elle est là-bas. Non, elle est sur Mathieu, moi. Mais là, Mathieu. Ah non. Non, Mathieu, t'as raté. Mathieu. Non, c'est dans la boîte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh oui! Et oui! La pression. 1, 2, faut la mettre. Oh non, il la met pas. Il la met pas, mais c'est gagné. Parce qu'on a argent pas, non? Les socios, vous avez vu, c'est Titan qui a remporté le défi. C'est le club des 5 qui a remporté le défi. Mais on laisse pas l'invité comme ça. Parce que nous, on sait recevoir. Donc, il y a un challenge invité. C'est simple. Il y a Mathieu Bonnemer qui nous attend là-bas. Il faut qu'il rapproche le ballon le plus près possible de la ligne blanche. Et à chaque fois qu'on va avoir un invité, on comparera. On termine avec le petit challenge de l'invité. Hein ? Tu vas essayer de me chercher la ligne blanche le plus près possible. D'accord ? Et on essaiera de comparer avec sortie, votre invité. Sortie de butin. Est-ce que ça va s'arrêter? Je crois que c'est parfait. 62 cm pour battre Mathieu Bonnemer. Les socios, l'épisode est déjà terminé. C'était un régal, comme d'habitude. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Donnez-nous vos idées d'invités, vos idées de défis. Voilà, on remercie Hamza, on remercie Titon, on remercie Mathieu. Mathieu qui nous a fait l'honneur d'être là. Donc on vous dit à très très vite pour les débriefs et pour tous les contenus sur le Club des 5. Ciao. Attends,